Salut toi. Salut! Yo les amis, bienvenue sur la chaîne des Compagnons du Pixel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog en médiéval. Donc alors, pour vous expliquer, là on est sur Château Pifon, dans Lyon, dans le 89. Et donc, on vient d'être intégré à une association médiévale qui s'appelle la Compagnie Saint-Ouen. Bonjour. Bonjour. Tu joues magnifiquement bien. Merci. C'est un si bémol. Un la déconole, un la déconole demi, un mi déconole. Et un septième de demi. Un pédophile. Allez, à plus tard. Ouvre la bouche. Tu vas m'empoisonner ? Bah non ! Non, c'est pas du poison. On va maintenant le boucher. Hein ? C'est bon. Ah, elle me dit c'est bon, ouais. Mais on va me noyer là. Voilà. Mais on va te donner à boire si tu veux. Ah bah bien sûr, attends. Ouais, c'est la compagnie qui pue la gueule. Tu préfères quel sens? Là c'est bon, ton son il est au micro ça. J'ai une position incongrue. Ça me dérange pas. Vous voyez bien l'entrecouille. Hein? Décontracté du gland. Bon alors, elle est blonde et elle vient de passer. Gizmo, tu bandes ou tu bandes pas? Ah moi j'ai plus le droit.
découvrir ce que fait le monde. Exactement. Bonjour, je suis les mondes. Ah, mais crotte de lutte. Les mondes de Lunda Zepa. Tiens, tu l'as pas encore. Je suis bizarre, hein, je sais, mais j'aime bien. Bonjour. Donc c'est la coutellerie de Villers, c'est ça? De Villers. De Villers, ça marche. Et c'est moi qui mets Titi. Attends, il y en a une plus rigolote. Attends, j'attends alors. Et c'est très con ce que je fais. Tu me filmes en train de galérer? C'est ça. Ouais, non, je vais la mettre en haut. Ah, si. Bah, je croyais que tu voulais encore discuter. Ah, si. Je croyais que tu avais dit, regarde, que c'est pour toi qui t'attend. Ça va? Il y a tellement de monde qui t'attend. Donc... Non, là, regarde. Là. Tiens, c'est déjà en train de filmer. Ça filme, ça enregistre. Après il y a du lard. Ils ont frit dans les oignons. Ouais. Du lard, et après ça sera le même procédé. On va recouvrir après recouvrir et faire recuire. D'accord. Avec le lard et le faisan. D'accord, ok. Donc tout le reste c'est à peine cuit. Pourquoi c'est toujours moi qui fais comme ça à genoux là? C'est quoi ce bordel? Je vais faire le 18ème trou, plus fort. On m'a dit ça. Bon, moi j'attends juste que le boulot soit fini, les gars. Ouais, toi tu arrives pour la fin, toi. Il y en a un troisième qui s'est rajouté. Ouais. J'ai aucune chance, quoi. Ah non, t'as plus de chance en étant mort. En fait, j'avais aucune chance à partir du moment où j'ai essayé d'esquiver la caméra. Alors un petit mot sur cette exécution. Bah franchement, ils ont dû s'y mettre à trois et la mort est même pas partie avec ma tête. C'est des... Franchement, je ferai pas appel à eux. Thank you.
avec cet étrange appareil. Oh mon dieu, un cyclope. Il n'a qu'un œil. Pas le mordre au cou. Non. Le cerf, le chien, il donne des coups comme ça le cerf. Et l'ours, il donne des coups, une patte, il se fait mal. Et l'anglais, c'est... Oh, tu peux pas t'en aller. Je suis née en France. Bon, là, ça va. Alors, écoute. Non, non, non. Non, non, arrête, arrête. Non, arrête, parce que là, il est rentré à son bras. Et l'anglais, donc, les chiens, on les dressait à se mettre debout. Parce que nous, les femmes écossaises, on allait au combat, tu demanderas. On allait au combat avec les chiens, alors t'imagines les femmes, on relevait les jupes le plus haut possible pour ne pas se prendre les pieds dedans. On gardait nos bijoux parce que t'as qu'à faire. Et surtout on gardait notre tartre. Et alors on mettait plein de bijoux, t'as qu'à faire, autant mourir au bureau. Et on avait chacun un chien, un homme, un chien, enfin une femme. Hein. Et on était là, on attendait sur la hauteur. Tiens! 2000, 5000 cavaliers qui sont là, des hommes en armes, ils sont là, ils attendent. D'un côté, t'as les Écossais, les Prado, les autres, les Anglais, tout avec la chemise bien propre, leur petit gilet bien rouge. Et d'un seul rouge, tu sais pas pourquoi, à chaque fois, il y en avait toujours un qui levait les yeux et faisait « Chef, chef, ils sont là !» Et nous, on faisait « Oh, yeah !» Non, non, on n'y va pas, chef, elles sont folles. Ça, on était complètement dingues. Alors, donc... Et il se précipite, il arrive, tu vois, il est plus grand que toi, il a ça, il essaie de te bouffer la gueule. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets les mains devant pour essayer de te protéger. Qu'est-ce que tu fais? Tu te piques les mains. Et donc, tu avais l'anglais qui criait, ah, mais je pique à la main. Je vais mourir. Je dis ça, oui, tu vas mourir. Tétanos, c'est sûr. Combien de jours? 5 jours? Oh la vache. 5 jours, c'est long. Bon, j'écoute, si tu veux, j'ai mieux. Bon, on est d'accord, ça c'est un petit couteau. Hein? De l'autre côté, tatam! Je tue en anglais avec ça. Je passe derrière l'anglais, on fait ce qu'il en reste. Je prends l'arme, j'essaye, il ne me mord pas lui, et je tire la carotide là. 5 minutes. 6 litres, 5 minutes. Et là, oui, des fois il y en avait qui étaient gourmands, ils disaient 5 minutes. Ah, c'est long. 5 secondes. Ça s'appelle la miséricorde. La miséricorde, c'était l'arme fatale du chef. Et là, tu voyais l'anglais. Ah, tu peux boire. Tu mets le pied dessus pour pas qu'il se s'ouvre. Et là, tu vas au cœur. Mais au lieu d'aller comme ça, tu te tournes. Évidemment, sur les champs de bataille, tu avais aussi des hommes à nous qui les mourent.
fallait mourir. Et ben, eux, je les prenais dans les bras, gentiment, je disais, tu sais, tu t'es battu comme un dieu. Et je l'embrassais sur la bouche, pendant que je l'embrassais, j'allais au cœur derrière. Ça, ça s'appelle un mot que vous, en France, vous avez, mais vous ne savez pas vous en servir. Ça s'appelle euthanasie. Dis-le, euthanasie. Oh, vous savez pas, oui, mais vous savez pas vous en servir. Nous, vous savez. Vous savez qu'on était capable de donner la mort par alors nos morts, quand ils sont morts, on ne va pas les laisser sur les champs de bataille. On les ramenait déjà au campement, on les ramenait au pays. Donc, on avait sur les campements des énormes chaudrons qui, pendant les batailles, ils étaient pleins d'eau et qui chauffaient, chauffaient, chauffaient. Donc, on ramenait les corps. Chaque corps venait se mettre devant le chaudron. On les déshabillait entièrement, on prenait toujours les pieds à la corde, on ouvrait du pubis jusque là, on enlevait tout le tribail, on mettait dans le feu. Et après, le corps qui restait, sans abîmer les jointures. Et on coupait un petit morceau qu'on mettait à bouillir dans l'eau. Mais non, attends, écoute, quand il est bouillé, la viande, c'est comme le poulet trop cuit du grand machin, là, des supermarchés. Hop, la chair, elle s'en va, il reste des os. Et pendant qu'on faisait ça, le menuisier, approche, le menuisier, attends. Oui, le menuisier, il avait fait des boîtes, ça. Parce que, on les rangeait. On les rangeait façon Ikea. Et oui, mais si, ils sont rangés archéo. Tu as la tête, si tu tires la tête, tout vient se mettre, ça vient s'emboîter les uns dans les autres. Et dedans, on mettait tous ses affaires personnelles. Le spawner, où il y avait toutes ses affaires, son verre pour boire du whisky, la petite pour avec du whisky dedans, sa bourse qui sera redonnée à son épouse quand il va rentrer, et lui, avec sa peau, chacun a souvent une fourrure. Et on ferme. Ouais, mais tu vas dire c'est qui? Parce que nous on n'a pas l'écriture, à part les nobles, les autres ils ne savent pas écrire. Eh bien c'est simple, l'écriture, sans carte d'identité, elle est là. Alors là, tu vois, j'aime bien parce que c'est le même. C'est le plus sévère. Ça c'est le clan MacDonald. C'est le plus grand des rois d'Angleterre. Hein. C'est bien, ouais. Tout ça, on prenait un lui, maintenant ça c'est parfait. C'est bien, c'est MacDonald, dans une famille, tu as Jean Dupont, Jacques Dupont, etc. Donc, elle a MacDonald, il faut bien lui donner son prénom. Eh bien, à 12 ans, le fils, il est majeur. Tu as quel âge? 12 ans. C'est bon, t'es majeur. Tu peux, alors à l'époque, tu pouvais aller faire la guerre. Te marier. Tu pouvais faire tout ce que tu voulais. T'es déménagé de chez ta mère. Oui, mais à 35 ans, t'étais mort. Oh merde. Ah ouais, la vie, elle est courte. Hein. Alors donc, là, c'est le prénom de l'homme qui est dedans. C'est Yon MacDonald. Et là, ça, c'est son clan badge. Le clan badge, c'est sa devise. Là, tu vois, j'ai le même, puisque c'est le grand-père à moi. Hein. Ça, père marée, père terrasse. En latin, ça se dit par mer ou par terre, en anglais. Et ça marche bien. Hein. Et oui, et les McDonald's, maintenant, les restaurants McDonald's, on les a créés, on leur fait bouffer de la merde aux Anglais. Ça marche. Hein. Donc, quand je rentre au pays, il y a les petites boîtes qui sont sur le bateau. Chaque petite boîte, on sait. Quand on arrive, on dit à sa femme, tiens, ton mari est parti en kill, tu reviens en kit. Hein. C'est facile, ça. Et elle prend tout ce qui est à intéressant pour elle. Et ça, c'est un fils, hein. le badge, le clan badge, il sera sur le cœur. Vous n'avez pas le droit de faire de l'anachronisme. Les pirates apparaissent après le Moyen-Âge. On est en 2018. Voilà. Allez, bonne journée. Ah, on peut pas jouer le jeu de 2 minutes.